bien des étapes qui vous mènent à ce jour, mais aujourd'hui, par des paroles toutes simples, vous allez vous engager jusqu'à la mort. Vous êtes entouré de vos amis, toi, frère Jean-Baptiste, ta famille, bienvenue à vous. Vous le savez, vous êtes chez nous, chez vous, autant que vous le voulez, autant qu'il est possible à la vie religieuse aussi de vous accueillir. Frère Grégoire, ta famille n'a pas pu t'entourer aujourd'hui, mais ils t'entourent en Haïti, parce qu'ils sont à la messe en ce moment. Les frères, eux aussi, nous sommes unis par le Christ. Bienvenue à vous aussi, frères et sœurs, qui venez nombreux entourer nos frères, marquant par là l'importance que vous accordez à ces étapes de la vie religieuse que nous aimons partager avec vous. Un merci spécial aussi, frère Jean-Baptiste et frère Grégoire, à vos formateurs. Deux de vos formateurs ont terminé leur charge cette année, le frère Romaric, père maître des novices, et le frère Augustin, qui a été votre père maître ici à Toulouse pendant 2 ans. Il transmet, le frère Augustin transmet ce qu'il a fait croire au frère François, votre nouveau père maître. Parmi les formateurs, d'autres sont là, je ne vais pas faire des litanies de remerciements parce que sinon j'en oublie et que cela est dangereux. Alors si vous voulez bien, frères et sœurs, rentrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes déjà. Père,
partager avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. Parole du Seigneur.
vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit « Béni es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Sauveur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. » Rappelez-vous,
Il avait placé Adam au milieu d'un jardin où Adam et Dieu pourraient se rencontrer et développer une amitié. C'était un lieu de vie, de joie et de plaisir, où poussaient de nombreux arbres irrigués par des fleuves d'eau vive. L'ordre est-il ce type de jardin? Si on s'en arrête à l'architecture de Rangueil, à la manière dont le jardin est entretenu, on pourrait peut-être en douter. Mais si plus profondément on écoute ce que dit Jésus à Sainte-Catherine de Sienne, alors oui. Jésus dit, Dominique s'accorde avec ma vérité, en voulant non la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Aussi sa religion, son ordre, est-il tout large, tout joyeux, tout parfumé. Il est lui-même un jardin de délices. Oui, vous avez bien entendu, un jardin de délices. Et vous pouvez donc vous réjouir. Et ce qu'il arrose, dit Jésus, c'est son sang versé pour nous en rémission des péchés, cette miséricorde que vous appelez. Je crois donc que vous avez frappé à votre porte. Mais attention, l'ordre est un jardin de délices. Pour autant que les frères, poursuit Jésus dans le dialogue, s'appuient sur son bras qui est fort et qui ne peut se faiblir et lui demeurer fidèle jusqu'à la mort. Ce bras fort, c'est la recherche de Dieu en toutes choses, afin que le vieil homme qui est en nous se convertisse et qu'il vive. C'est au contraire d'un homme, ne jamais se cacher, mais s'appuyer sur la sainteté de Dominique. Faire profession, mes frères, c'est donner sa vie en ce qu'elle a de plus précieux. C'est à travers les vœux, tout référer à Dieu pour lui permettre d'agir comme il l'entend. Cela implique un vrai renoncement à vous-même. Et ce dernier n'a de sens que s'il ouvre un espace au Seigneur pour qu'il y vienne, qu'il y fasse sa demeure, qu'il y prenne chair et qu'il y trouve sa joie. Faire profession, c'est vouloir que chaque jour la grâce finisse son œuvre, fasse son œuvre de vie, qu'elle convertisse votre cœur et votre âme pour les tourner totalement, c'est-à-dire dans les plus petites choses de la vie quotidienne qui n'ont l'air de rien, mais qui donnent la paix, les tourner vers le Seigneur. Dans l'Évangile, Élisabeth dit à Marie, heureuse celle qui a cru les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Vous le savez, l'étude de la parole de Dieu est capitale dans l'ordre. Elle nous permet de mieux connaître Dieu, pour qu'à travers elle, il fasse la lumière sur nos vies, révélant notre destinée lui-même, mais aussi tout ce qui reste à convertir et à évangéliser. Je ne trahirai pas de grands secrets, c'est souvent inconfortable, en particulier lorsque vous devrez en être les prédicateurs. Car alors vous redécouvrirez que c'est d'abord à vous-même que vous prêchez. Mais comme Marie, vous ne pourrez garder pour vous ce que vous aurez déjà reçu. C'est un devoir que de le porter aux autres, quand bien même ce Seigneur est encore en formation en vous. Vous pourrez toujours compter sur la fidélité de Dieu, qui viendra à vous, parfois mystérieusement, de manière privilégiée par vos frères. Vous demandez aujourd'hui leur miséricorde. Ils vous la donnent avec joie. Ils sauront vous la donner, sachant aussi qu'ils sauront pouvoir compter sur votre miséricorde. Nos couvents sont marqués par les blessures, les égoïsmes, parfois les mesquineries. Mais ils connaissent aussi de grandes joies et de magnifiques soutiens dans les épreuves. Nous professons que c'est l'Évangile qui doit avoir le premier et le dernier mot dans notre vie, tant personnel que communautaire. Chers frères, en recevant votre profession, c'est tout l'or.
sera source de vie pour le monde. Vous choisissez de vous rendre vulnérable pour que Dieu puisse attendrir votre cœur, le convertir, l'habiter en toute sa richesse et ainsi vous permettre d'aimer comme il a aimé. Alors croyez, croyez en la parole que vous avez entendue, en l'appel que nous avons reconnu. Vous y trouverez beaucoup de bonheur. Celui de savoir qui vous êtes aux yeux de Dieu. Celui de partager ce qui vous fait vivre. Celui d'être délivré de ce qui n'est pas Dieu. Alors vous ferez vôtre le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Et par vous, l'ordre sera ce jardin que Dieu se plaît à visiter et dans lequel poussent de nombreuses plantes aujourd'hui, un bayonnais et un haïtien. Avec vous, nous deviendrons un peu plus une sainte prédication, c'est-à-dire un lieu où se répand concrètement la miséricorde divine, où elle s'accorde, où elle se donne à voir, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Chers frères de gloire, frères de Kounia, dans le pays Haïti, famille haute, famille haute, Akraïo, dans le courant, yo priez avec nous. Tout le monde s'aillot réellement lié à nous parce que Christ a sénité. Moi, je l'ai dit, et aussi, spécialement pour papa, avec maman, que nous soyons seule famille et que nous comptons en que vous c'est pas nous. Ou appelle la vie où, parce que vous voulez devenir un homme évangélique. Vous voulez suivre Saint-Dominique en ma protection, Marie-Maman. Marie, c'est les premiers disciples-là. C'est lui-même qui t'a dit, bon Dieu, oui, l'ange Gabriel t'a annoncé qu'il fera la vie de maman sauveur. Je veux dire, on vous dit, moi, c'est parti sans Jésus. Moi, c'est ça qu'on doit mettre là. Faut que ça fasse la paix par lui. Beaucoup de paroles qu'on met là, pour mettre en pratique pendant toute la vie. Maman Marie, la mère, là-bas au secours, mais ça va blédir, elle l'a fait pour. Les paillons de maman qui ramènent un petit trio, qui fait yo vinaigre, parce que les connards que ça fait yo tournant insupportable. La bébé, ou même capable de prendre part pour vous dans la communauté. Les pas quitter au compte ou dans le combat de la vie. Il est engagé avec vous. Il faut vous engager avec vous. C'est pour tout ça, c'est pour tout être ça, pour comme chanter Marie, maman, mon fou. Nous venons joindre nous. Nous nous trouver Jésus. Parce que chaque fois nous prions Marie, Marie lui-même, il répond nous Jésus qui va y aller. Et ça, très très fort. C'est secret.
à vous et à vos successeurs jusqu'à la mort. Moi, frère Grégoire Trigophobe, je fais profession et promets obéissance à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie, au bienheureux Dominique, et à vous, frère Olivier de Saint-Martin, prieur provincial de la province de Toulouse, qui représentait le frère Gérard Francisco Timonel, maître de l'ordre des prêcheurs, et les successeurs, selon la règle de Saint-Augustin et les institutions des frères prêcheurs. Aussi, je serai obéissant à vous et à vos successeurs jusqu'à la mort.
Combien de fois de tes serviteurs, les frères Jean-Baptiste,
sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle, écoute le Seigneur. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'un être juste, le sacrifice de notre Père à part, et celui de notre fils Melchisédek pour grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte. Nous t'en supplions, Dieu de puissance, et te vendons déjà ton ange pour prendre ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, parmi les communions de l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi des serviteurs, souviens-toi des défunts des familles de notre frère Jean-Baptiste, Grégoire et Paul, qui nous ont précédés, marqués du signe de la croix, et qui dorment dans la paix. Pour vous et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous en pleurons d'un côté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans te juger sur le péché, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes, les sanctifies et nous en prions. Amen.
Tu nous as nourri, Seigneur, du sacrement qui nous sauve. Permets que nous trouvions en tout lieu la protection de la bienheureuse Vierge Marie, puisque c'est en son honneur que nous t'avons offert ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est une grande joie pour moi et mes frères de voir combien vous êtes venus nombreux pour cette profession un samedi. Je me disais, ça arrive en début d'année, même pas beaucoup le temps de l'annoncer avant, et finalement vous êtes là. C'est une joie de vous avoir avec nous, c'est une joie en particulier pour le frère Grégoire Rigaud et le frère Jean-Baptiste. Donc merci beaucoup d'être là. Pas que vous ne repartiez pas trop vite, en tout cas qu'on continue la joie de cette célébration, la joie de l'engagement de la profession de nos deux frères, eh bien je vous propose de venir prendre un apéritif en sortant par la porte qui est là-bas, donc sur le côté, cet apéritif qui est une joie pour nous et qui a lieu aussi grâce à la paroisse Notre-Dame du Rosaire, puisque votre présence exprime bien que vous êtes sensible à ce qui se passe ici dans notre couvent, et de fait, c'est la paroisse des amis de la paroisse qui ont préparé cet apéritif pour vous et pour nous. Encore merci pour votre présence et à tout de suite. Et avec votre esprit. Le Seigneur a fait naître et grandir en mon cœur le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Amen. Amen. Qu'il vous établisse dans le monde entier comme signe et témoin de son amour. Amen. Et que sa bonté vous donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui vous